Panda. Panda. Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Just at the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the banner. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Ok, d'accord. Tout d'abord, bonjour, monsieur Lides. Voilà. Alors, je vais vous expliquer ce meeting. Donc, on est là pour se foutre la gueule, hein, pour se bien s'arracher, se démonter. Non, mais attends, s'arracher en termes de quoi? Bah, se clasher, se. S'atomiser, s'exploser, envoyer des bombes nucléaires, appeler Mimimati. Donc, on comprend pas. Je sais pas, c'est vous les boss, comme vous le dites, hein. Donc les boss devraient avoir organisé le truc, non? Bon bah, on va parler de ça, hein. Des boss, hein. Les mecs qui ont géré avec les Stan Smith il y a pas longtemps, hein. Ah ouais? Bah, est-ce que vous pouvez me citer une autre gloire d'Adidas? Quelque chose que... Bah, que vous avez vendu en masse et qui est connu mondialement. Ta gueule. Et toi, tu veux qu'on en parle de ta marque, hein? Qui se rapproche beaucoup à la baise, hein. Caractère sexuel. Et là, la baisse. On en parle de ça? Hein? Parce que moi, je trouve que votre nom n'est pas du tout original. Hein? Je pense que c'est deux gens qui ont dû copuler, le gars, il a dû faire. Ferme ta gueule maintenant! Et toi, t'as quoi d'autre à me dire? Hein? Parce que je pense que j'ai tout dit sur toi. Ou même, c'est que le début, je pense. Désolé, tu dis seulement la vérité. Salut les gars! Oh putain, ce petit frère. Il est en train de parler là. C'est monsieur Puma. Putain, mais ferme ta gueule. Ton petit frère. Ferme ta gueule. Parce que moi, papa, tu vois, il m'a pas fait en erreur. Donc maintenant, tu fermes ta gueule. Je suis le grand frère, l'aîné, le meilleur. Et c'est bon, toi, hein. C'est pas parce que t'es l'aîné, c'est bon, tu dois te croire le plus fort et tout ça. Bah moi aussi, j'ai des mérites. Je sais pas où ils sont, mais j'ai des mérites. On revient au clash, hein? Et ouais, toi tu fumes ta gueule. On en était où? Pourquoi vous êtes pas gentils, les gars? Ah voilà, je sponsorise le Barça. Je sponsorise le Real. Je sponsorise le Paris Saint-Germain. Ah ouais, pas mal. Ouais, je sais qui je sponsorise les autres. Marseille. Ça fait quoi que je sponsorise Marseille? Bah, ils sont 16e de Ligue 1, je crois. Salut! Moi c'est Reebok. Mais si, vous savez, la marque de chaussures mondialement connue. Mais vendue, par contre, chez Decathlon. Je repasse, hein, parce que... Ouais, dégage. Ouais, vas-y, vas-y. Ah, moi je sponsorise... Tais-toi, toi. On s'en fout, toi t'es nul. Toi tu sponsorises qui? Bah moi, je sponsorise... Usain Bolt. Le café, oh, le, ouais, café, ouais. Le café, attends. Le café, le café. Tiens, ça dégage, hein. Moi, je veux bien du café aussi. Non, toi, t'en as pas, toi, tu fermes ta gueule. Moi, j'ai pas choisi d'être une victime, ok? C'est pas ma faute. J'étais née comme ça, je croyais qu'à la naissance, on aurait fait un certificat. Veux-tu être une victime, oui ou non? Ça aurait été facile. Voilà, toi, tu fermes ta gueule. Tu m'en parles de ton logo Jordan? Ouais, mais moi, tu vois, moi, je suis plus jeune que toi. Et le plus jeune, j'ai plus de revenus que toi, de recettes. Tu vois sur la page Wikipédia, je suis la plus grosse marque de sport avec le plus de chiffre d'affaires. Bon, ben, on en vient à la conclusion que moi, je suis là, toi, t'es là. Et lui... Lui, il a pas encore décollé. Allez, c'est parti. Vas-y, on va faire les stand run. On va voir qui va gagner les Jeux Olympiques, hein. Les Roche-Mis, on avait parlé d'un projet commun. Ouais. Salut tout le monde, merci d'avoir regardé. Salut. Ce petit sketch. Alors, à la fin, si vous avez vu, on a utilisé ces cups. Voilà. De Sunday, une marque de café que mon père a créé il y a pas longtemps, qui va ouvrir cet été. Ils vont faire un site web et ils ont un compte Instagram déjà.
Ça s'appelle Someday Chiruba Collab. Donc si vous avez toujours pas vu, bah allez voir, c'est franchement bien. En même temps, ça fait du café, ils font des planches sociales, ils font un peu de tout. Du coup voilà, ils font des petits trucs comme ça là, tout mignon, et qu'on s'en est servi dans le petit film. Donc n'hésitez pas à aller voir leur compte Instagram, ça leur fait plaisir, c'est un peu pour faire connaître un peu la marque. Everyone loves Honey killers on the helmets, legacies, found it, way see, panic, pockets full, done it, selling ball, candy, men on the macho like Randy, the chopper go out to for granted.